Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Métropole Hebdo. On fait le tour d'horizon des dernières actualités de la métropole grenobloise. Depuis mercredi, le réseau MTAG expérimente une intelligence artificielle pour anticiper les fissures sur les rails. Avant cette technologie, une personne était chargée de parcourir à pied l'ensemble du réseau pendant un mois pour détecter les éventuelles anomalies. Une nouvelle solution qui représente un gain de temps considérable. Reportage Arthur Glory. MTAG fait appel à de nouveaux outils pour analyser l'état des rails du tramway de Grenoble. Grâce à une technologie développée par l'entreprise lyonnaise Viapic System, les plus de 90 km de rails du réseau sont scannés sous tous les angles. Une technologie encore jamais testée sur des rails, mais qui a fait ses preuves sur la route. Au lieu de faire des tournées à pied et de regarder avec l'œil humain ou avec certains appareils de mesure le rail, avec ce type de technologie, on va arriver à voir très en amont les micro-fissures ou les micro-désordres. Et si on arrive à les déceler et à savoir avant que ça arrive et que ça se dégrade que c'est en train d'arriver, eh bien le but c'est de remédier et de ne plus avoir de coupures, d'interruptions de circulation ou de limitations de vitesse pour le tram. Les premiers rails du réseau posés en 1987, ces secteurs les plus exposés à l'usure demandent une vigilance toute particulière. Grâce à deux caméras fixées à l'arrière du camion, chaque centimètre de rail est analysé. L'intelligence artificielle prend le relais et crée une base de données mise à disposition de MTAG. On embarque de la vision numérique, des lasers, centrales inertielles, un système de géolocalisation qui est de haute précision et qui vont constituer, si vous voulez, une base de données de référence et grâce à un logiciel d'analyse automatique basé sur de l'intelligence artificielle vont permettre de qualifier, de créer une base de données exhaustive de l'état du réseau. Le traitement des données va prendre une semaine et si besoin, MTAG pourra envisager des travaux lors des périodes dédiées. Le visage de Saint-Martin-d'Hères en passe d'être transformé avec l'implantation du centre Nerpic en lieu et place des anciennes halles fermées il y a une cinquantaine d'années. 10 mois après le début des travaux, la moitié du gros œuvre a été réalisée. Dans un peu plus d'un an, commerces, espaces de loisirs et restaurants fleuriront dans le quartier Gabriel-Péri. Le point sur le chantier avec Arthur Glory. Nerpic sort de terre. Les travaux du futur pôle de vie, de commerce et de loisirs sont menés au pas de charge depuis des mois. Les grues, les ouvriers et les camions se comptent en nombre et les premières constructions en dur sont déjà visibles. Un projet de plus de 42 000 mètres carrés qui dotera d'un véritable centre-ville la deuxième commune de la métropole. Nerpic, c'est un lieu de vie, un lieu où il y aura des terrasses de café, des restaurants, bien sûr des commerces, des activités de loisirs. C'est vraiment avoir un visage d'une ville où il y a une animation permanente. C'est vraiment ça l'essentiel. Après une première phase de démolition engagée fin 2021, les bâtiments sortent de terre. Des constructions qui cohabitent et cohabiteront avec les murs en pierre meulière et les toitures en chêne, vestiges du passé industriel du site. Une volonté de la maison d'architecture où innovation et bâtiment pluriel se mélangeront pour donner ce décor si particulier. Le mélange du neuf et de l'ancien, c'est un goût qui est très recherché aujourd'hui dans la société. Le neuf n'attire plus, c'est cette espèce de mélange du faire avec, de ce qu'on appelle la frugalité, fait partie en fait des choses qui sont importantes et qui vont dans le sens de l'environnement. On a donc gardé le plus de bâtiments possible, les démolitions, on a gardé les matériaux de démolition pour construire des nouveaux bâtiments avec. Aujourd'hui, nous finissons la société de l'énergie et on rentre dans la société du déchet. C'est la matérialité de demain. Et les bâtiments se mélangeront aussi à la végétalisation. Avec une ferme de panneaux photovoltaïques de 10 000 m², Nerpic devrait être 100% autonome. Plusieurs mesures environnementales viendront s'ajouter, ce qui permettrait au complexe de viser une note maximale de la part des organismes de certification. Le projet, qui profite d'une programmation dite plurielle, devrait accueillir 60% d'enseignes inédites sur le territoire. Nous allons avoir 10 000 m² de loisirs familiaux avec bien sûr les murs d'escalade, mais également du karting, du bowling, du billard, des jeux vidéo et tout un ensemble de loisirs accessibles pour toutes les bourses. Nous allons avoir de l'économie sociale et solidaire. C'est une programmation plurielle qui véritablement correspond aux attentes. Encore en concertation, le complexe devrait aussi accueillir un cinéma de 1500 fauteuils en collaboration avec Megarama. Le chantier avance pas à pas, mais d'après tous ses acteurs, Nerpic devrait voir le jour dans les temps. Ouverture prévue fin 2023.
Tout se recycle, même les textiles. La métropole lance l'opération de collecte de textiles jusqu'au 4 décembre. 93 conteneurs temporaires sont mis en place dans 42 communes du territoire. Depuis son lancement, plus de 450 tonnes de textiles ont été collectées grâce à ces opérations. Chaque année, un habitant de la métropole jette 7 kilos de textiles en moyenne. La métropole s'est fixée pour objectif de réduire cette quantité à 2 kilos d'ici 2030. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end.